bientôt Noël! Oui, parce que je vous tourne cette vidéo bien avant, je viens de rentrer du salon du livre de Montreuil. Et en fait, avec les filles, on s'est échangé nos swaps. Et du coup, moi, je l'ai fait à Emma, donc la bouquinade. Je vous mettrai tous les liens et tout en barre d'infos. Et c'est tombé sur le fait que c'est Emma qui m'a fait le mien. Donc c'est cool! Je vais l'ouvrir. Et voilà, j'ai préparé mon petit ciseau. Et puis, je vais ouvrir ça avec vous. J'ai tellement hâte! Wow! Il y a déjà du beau papier cadeau de Noël, hein, je vous le dis. Regardez-moi ça. C'est super mignon. Donc, attendez, parce qu'il y a les numéros dessus, elle m'a dit. Donc ça, c'est le 8. 5. Oh là là. En fait, j'ai prévu une petite table à côté, mais il n'y aura pas assez de place. Ah, j'ai trouvé le 1! Il est là! Alors, là, voilà. Oh, tiens, le 7, je pense que, Emma, tu étais à court de papier cadeau. Il est rouge, celui-là. C'est le seul qui est rouge. Là, alors, attendez. Ça, c'est quoi? Le 2. Ah, je vais pas le mettre trop loin, tiens. Alors, attendez, j'ai plus de place. On va en mettre un peu à côté aussi. Hop là, comme ça. Le 6. Et le 3. Ok, alors le 3. Tac, tac, tac. Voilà. Oh, oh, oh. Oh. Et nous avons une petite boîte là. Alors, je ne sais pas. Je vais d'abord lire la carte. Ce sera plus simple, je crois. Hop, on vire le carton. Donc, une petite carte de Noël qui est trop belle. Alors, donc avec le menu, je suis contente de t'avoir rencontré, j'étais fan de ton contenu et aujourd'hui je t'offre ce swap. Ah, c'est trop bien, avec tout mon amour Emma. T'es trop mignonne. Mais moi je suis tellement contente d'avoir fait le tien aussi, franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, de voir tes réactions et tout, j'ai tellement hâte, vous imaginez même pas, ça va être pire que Noël. Donc, je crois qu'on a eu les mêmes idées. Donc, le 1, des gourmandises pour commencer. Alors, le 1, on avait dit que c'était celui-là. Voilà. Alors, oh, elle a fait ça super bien en plus parce que c'est du masking tape, les petits scotch. Moi, non, du coup, j'ai fait ça avec du scotch traditionnel, mais c'est vrai que le masking tape, c'était une bonne idée. J'y ai pas pensé. Alors... Oh Emma, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est mes Kinder préférés. J'adore, mais alors j'adore les Kinder Bueno. C'est la noisette dedans, la crème de noisette là. C'est tellement bon. C'est... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Non, tu as tapé très très juste, j'adore ça. Donc, non, je vais pas commencer à en manger tout de suite, sinon ça va vraiment pas le faire. Mais non, j'adore ça. Franchement, t'as trop trop bien choisi. Alors, du coup, le 2, j'espère que tu vas le porter pour la vidéo. PS, une saga que tu aimes énormément. Qu'est-ce que je vais porter pour la vidéo? Le 2. Tu me fais peur, Emma. Alors, voyons voir. Hop, ça va me mettre là-bas. Le carton va me servir de poubelle en fait. Oh, oh putain. Oh putain. Je suis désolée. Mais ça vient du cœur. Oh Emma, t'es folle. Oh, regardez-moi cette beauté. Oui, c'est une saga que j'adore. Et en plus, oh putain, c'est trop bien. Il y a marqué Team Botero, la quête des Willan. J'adore. Oui, alors, excusez-moi, je reviens tout de suite. Je vais l'enfiler tout de suite pour la vidéo. Je m'en fous, le prochain salon, c'est celui que je porte. C'est sûr, sûr et certain. Je le porterai, Team Botero, là, s'il vous plaît, quoi. Franchement, si vous avez toujours pas lu les livres de Botero qui sont la quête des Willan, les mondes des Willan, les Elana, il y en a d'autres. Mais moi, en tout cas, c'est... tout l'univers qu'il y a autour de Ewilan et Elana, laissez tomber quoi. Je suis ultra fan. Merci, merci, merci beaucoup. C'est... Voilà.
Non, franchement, il est trop beau. Petit 3. J'ai pas encore fini ce roman, mais je l'aime beaucoup. Alors, le 3. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le swap, chacune, nous avons mis 2 livres. Donc, du coup, je pense que c'est le premier. J'ai pas encore fini ce roman, mais je l'aime beaucoup. Je sais! Je sais! Je sais lequel c'est! Je sais lequel c'est! Oui! Je voulais trop le lire! Oh, il est tellement beau! C'est Everless de Sarah Holland. Il me fait tellement envie depuis sa sortie, vous imaginez pas à quel point. Donc voilà. Je suis trop contente. Ouais, c'est Noël pour moi aujourd'hui. Donc, attendez, est-ce que le résumé est pas trop long? Je vais essayer de vous le lire sans bégayer. C'est pas gagné. Êtes-vous prêt à vendre votre sang pour vivre plus longtemps? Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses dettes, celui-ci se rend régulièrement chez l'extracteur de temps. Car au royaume de Sampera, tout se paie en fer de sang, un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Pour éviter que son père se condamne en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everless, la résidence des Gerlings, la famille la plus puissante du royaume. Or, Julie a vécu à Everless dans son enfance avant qu'un accident les oblige à fuir son père et elle. Depuis, ce dernier lui a toujours interdit d'y retourner, car si on la reconnaît, Julie court un grand danger. Donc non, franchement, c'en est un ouais, qui me fait très 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 envie depuis sa sortie. Donc je suis trop contente. Merci Emma. Oh, le numéro 4. Miss Granger. Ou Granger. Moi, je préfère dire Granger. Je sais pas vous, mais Miss Granger, je préfère quand même. Alors attendez, le 4, je l'ai mis où? Il est là. Oh, c'est trop bien. Oh, celle-là, je vais l'enfiler aussi tant qu'on y est, hein. Je vous dis, c'est une cravate! Je vous dis, heureusement que j'ai mon carton à côté là pour la poubelle. Parce que sinon, je pense que j'en aurais mis partout. Sauf que, les gars, je sais pas faire une autre cravate. Ça va pas le faire. Donc, comment vous dire? Non, je sais pas le faire une autre cravate. Ça va être compliqué. Oh, attendez, je reviens. Je vais essayer de trouver un petit tuto YouTube. Pour être quand même au top. Bon, vous savez quoi? J'abandonne. Je le ferai tranquillement posé là, parce qu'Emma, là, c'est trop dur notre cravate. Sérieux. Alors, le 5. Pour les soirées d'hiver, clin d'œil à Collection R. Alors le 5, nous avons mis où le 5? Ah, il est là. Des soirées d'hiver, clin d'œil à Collection R. Pour les soirées d'hiver. Alors j'ai un carton, ok. Un autre carton. On va y arriver. Alors attends, tu nous as fait les comment on appelle ça? Je sais plus. Les poupées gigognes. Je sens que tu t'es craqué, Emma. Sérieux. J'arrive à l'ouvrir, le petit pochon. Bon, surprise, je regarde pas. Putain, j'adore ces tasses, Emma. Ah, comment vous dire, maman? Ah putain, Emma, t'es trop forte, sérieux. C'est sur la lectrice. Et c'est une tasse en émail. Et avec la petite citation, il était une fois il sera, de la lectrice. Oh là là. Mais ça va devenir ma tâche, chouchou. Je l'adore. Putain, j'ai arrêté, je vais me mettre à pleurer à force là, sérieux. T'as tellement bien choisi les... Oh là là, sérieux. Non, je vais pas pleurer, arrêtez là, ça va pas le faire. Mais elle est trop trop belle. Oh, je suis trop contente. Merci Emma. Ouais, je suis une enfant, oui. Alors le 6... je sais que le premier roman était une superbe lecture pour toi. Donc c'est un tome 2. Alors le 6, ça doit être celui-là.
Mais celui-là, il m'intrigue, Emma. J'ai pas de numéro dessus. Oh, c'était le cadeau surprise, en fait, ou... C'est un petit bracelet, il est trop beau. Oh, oh là là. Je vais le mettre tout de suite, je vais le mettre avec mon Pandora, là. Attendez. Oh là là, je l'adore. Il est trop beau. Trop, trop beau. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit pompon jaune. Il est trop beau. Aïe, aïe, aïe. Non mais franchement, Emma, tu m'as trop gâtée, là. C'est un truc de fou. Bon, alors, le livre, du coup. Donc, je sais que le premier roman était une superbe lecture pour toi. Mais il y en a tellement que c'est trop bien pour moi, donc je sais pas. C'est le tome 2 du Gang des Prodiges. Oui, ça a été une superbe lecture pour moi. Et en plus, la fin, ça finit tellement en plan que je voulais tellement savoir la suite. Donc c'est trop cool. Puis c'est du Marissa Meyer, quoi. Franchement, oui, je sais, je n'ai pas encore lu le deuxième tome, enfin le dernier tome des Chroniques Lunaires. Il me reste encore Winter Rally. Mais c'est prévu pour cet hiver. Donc voilà. Non, je suis trop contente. Non, franchement, t'as trop bien choisi les livres. Je suis trop trop heureuse. C'est deux lectures qui me tentaient tellement. Donc non non, t'as trop trop bien choisi. Merci. 7. Dans les étoiles et le Starbucks. Hein? Dans les étoiles et le Starbucks. Alors là, je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Dans les étoiles et le Starbucks. Alors là, je n'en sais rien. Ah, le fameux 7 tout rouge. C'est mou. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. C'est un marque-page de chez Epic Page. C'est un Starbucks. c'est du chocolat. Chocolat viennois, je dirais, avec la chantilly dessus, vous savez. Et puis le chocolat coulant, là. C'est trop bon. Oui, ça va accompagner mes lectures. Et puis, tu sais très bien comment j'adore le chocolat chaud. J'adore, merci beaucoup, il est trop beau. Il est trop trop beau. Franchement, mais t'as fait ce swap avec amour, mais vraiment, c'est un truc de malade. J'espère que le mien te plaira. Oh putain. Je suis désolée, je... J'arrête pas de dire des gros mots, c'est pas bien, mais... C'est Léonore. Oh putain, j'ai plus de voix. C'est Léonore de Phobos. Ah, Éléonore, pardon. Éléonore de Phobos. En grand. Je l'ai en tout petit, moi. Mais là, je l'ai en grand. Ça va être trop bien. Voilà, pour la sortie prochaine de la BD de Phobos. Petite lecture. Enfin, petit marque-page pour mettre dans la BD. Elle est trop belle. Elle est trop belle, cette image. Vraiment. J'adore. Merci beaucoup Emma, franchement t'as trop trop bien choisi, ils sont trop trop beaux, franchement, j'adore. Et le dernier but not the least, pour avoir bien chaud cet hiver. Bon alors ça, ça sent le plaid ou un truc dans le genre, hein, un pull ou... Ouais c'est mou aussi. Alors, oula, alors là tu t'es craqué sur le masking tape là. Oh! C'est trop mignon. Oh, je vais avoir super chaud avec ça. C'est trop bien. Waouh, comment c'est tout doux. Oh là là, c'est un truc de fou. Oh, je vais pas faire ça parce que j'ai du fond de teint et tout ce que vous voulez. Regardez-moi comment c'est dedans. Je vais avoir super chaud. Ah, pour lire, ça va être génial. Je vais plus avoir froid aux pieds. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une grosse frileuse. Mais quand je vous dis grosse frileuse, c'est que j'ai tout le temps froid. Et là, non. Je pense que je vais être trop bien. Non mais Emma, franchement, j'ai même plus les mots, tiens. Mais franchement, t'as trop bien choisi. C'est... Waouh. T'es tellement chou. Merci beaucoup, franchement. T'as trop bien choisi tout ça. Avec amour et tout. Merci beaucoup, Emma. Tellement contente d'avoir fait ce swap avec toi et j'espère que ça vous aura plu aussi comme vidéo de voir
J'ai plus les mots, c'est horrible. Non mais franchement, merci beaucoup. J'espère que mon swap te plaira autant que le tien m'a plu. Et voilà, et je vous dis joyeux Noël, parce que du coup, ce sera dans les jours qui viennent quand je sortirai cette vidéo. Donc je vous dis joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien, mangez bien, bon pas trop pour pas être malade quand même. Et voilà, je vous fais des gros bisous, bye bye.